Cette semaine, Black Movie a annoncé la programmation de son édition 2022. Le Festival international de films indépendants présente 89 films venus du monde entier. Après une année entièrement online, Black Movie se déploie dans une formule hybride, en partie sur le web, mais également dans les salles obscures. C'est un peu le cœur du festival, c'est un peu le moment vivant, incarné, qui nous permet d'avancer, parce que si on n'a que l'aspect de l'organisation, qu'après on lâche les films online, on n'a pas ce retour-là. Et c'est souvent le retour vivant du public qui permet un équilibre par rapport à l'immense travail qui est fait en amont. Le festival s'axe autour de 8 grandes thématiques. On a vu environ 800 films sur cette année. Et après, c'est vraiment travailler lentement. Enfin, on regarde les films, on retient tous les films, on regarde lentement les thématiques qui se dégagent des films qu'on voit. Parce qu'étonnamment, je sais pas, il y a eu des années où tout à coup, là, toutes les questions écologiques étaient très présentes. D'autres moments, c'était d'autres questions qui surgissaient vraiment d'un continent à l'autre. Et donc, c'est vraiment les films qu'on voit qui induisent les thématiques. Pour mettre en place sa riche programmation, le festival s'appuie sur un réseau mondial d'informateurs qui permettent de présenter des films exceptionnels auxquels on n'aurait pas accès autrement. Contrairement à d'autres festivals qui font un appel d'offres et qui reçoivent des milliers de films à une date donnée, nous, on va chercher les films. On reçoit très peu de films spontanément, et c'est tant mieux parce que souvent, les films qu'on reçoit spontanément, ils ne sont pas géniaux. Et on va vraiment se renseigner beaucoup en amont. On a des très très bons réseaux dans tous les pays pour que des gens nous pointent des films. Genre, voilà, moi j'ai déjà produit ce film-là, j'ai le deuxième qui est très bien, il irait parfaitement dans votre festival. Et donc on travaille vraiment comme ça par prospection et par intérêt de différentes cinématographies. Ces 89 films sont autant d'histoires et de regards sur le monde. Les auteurs, les cinéastes derrière ces films-là, ils ont souvent un engagement beaucoup plus fort, beaucoup plus pertinent. Ce sont des films qui ont un autre espace-temps, je dirais, et qui sont très importants à ce niveau-là. C'est qu'ils racontent autre chose que le cinéma commercial en salle. Et cette autre chose-là est extrêmement importante. Le festival Black Movie, c'est du 21 au 30 janvier en salle, du 28 janvier au 1er février sur le web, et toute la programmation est à découvrir sur le site blackmovie.ch.